Bonjour à tous, aujourd'hui donc c'est pas vraiment un tuto de jardinage mais plutôt une présentation de produits. Donc je me suis abonné à mon magazine Rustica et avec ce réabonnement j'ai droit à un lot, on peut dire ça comme ça, de 50 sachets de graines qui s'appelle les essentiels de Rustica. Donc dedans il y a 20 légumes stars, 10 légumes insolites, 10 fleurs colorées et 10 plantes aromatiques. Donc on va, si vous voulez bien, rentrer dans les détails. Donc dans les légumes insolites il y a l'aubergine blanche, White Rune Rose Shaded, blette à quart d'heure rouge, la carotte jaune l'Aubergine, carotte ronde marché de Paris, chou chinois, chou-fleur rouge Sicily Purple, courge spaghetti qui est un peu plus classique de plus en plus, radis noir long d'Espagne, salade Red Bull for medium late Averto, et tomate noire de Crimée qui pour moi n'est pas vraiment un légume insolite mais un de mes classiques du jardin. Donc dans les légumes stars donc on en a 20 comme je vous l'ai dit auparavant. Donc il y a l'aubergine black beauty, la betterave Détroit rouge foncé, la carotte Amsterdam, le chou frisé vert bien sûr, le chou-fleur boule de neige donc du classique hein, jusque là, concombre bête alpha, la courgette verte d'été, épinard de viroflay, donc je dirais plutôt que c'est du l'épinard américain. Donc j'en étais à la laitue feuille de chêne rouge, la laitue salad bowl verte, la laitue paumée, le navet violet top white globe, l'oignon cristal white wasp, le poireau American flag, le radis de 18 jours, hein, un classique aussi. Le radis rond champion, la roquette cultivée, la tomate steak que à la place de la noire de Crimée j'aurais plutôt mis dans les insolites parce qu'elle est moins connue, la tomate cerise et la tomate romaine qui ressemble à la Roma tout simplement. Donc après il y a 10 plantes aromatiques, donc de l'aneth, du basilic grand vert, du cerfeuil, de la ciboulette, de la coriandre, de la marjolaine, du persil plat, du persil frisé, de la sauge officinale et du thym d'hiver. Donc après, c'est 10 sachets de fleurs colorées. Donc dans ceci, il y a de la bourrache, de la capucine, des cosmos sulfureux, un mélange de fleurs à papillons, un mélange de fleurs des champs, des pois de senteur rose, des roses trémières, du souci petit nain français, Tagetes, donc des œillets d'Inde hein, classique, et des tournesols géants. Avec ceci, si j'ai pas un beau jardin l'année prochaine, sauf grosse averse, mais bon, pas 2 années de suite quand même. Donc voilà. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Au lieu de payer chaque fois votre magazine plein tarif, vous avez une réduction sur l'année. Et si vous vous dépêchez, vous aurez votre lot de graines comme moi.
Donc moi, je me suis réabonné il y a 15 jours. Voilà. J'étais à la fin de mon abonnement, je l'ai fait directement quand j'ai reçu mon mail. J'ai reçu mon petit Lundgren. Donc je vous remercie en espérant que vous soyez de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. J'espère que tous les conseils que j'essaye de donner vous conviennent. Et puis je vous dis à bientôt, soit ici ou soit sur le groupe Passion Jardin 63. Donc merci à vous, à bientôt.